Salut les amis, cet après-midi nous allons écouter l'histoire que j'ai intitulée « La foi de Bartimée ». C'est une histoire qui se trouve dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Alors Jésus s'est retrouvé à Jéricho avec ses disciples et il s'apprêtait à quitter Jéricho et en s'apprêtant à partir, il y avait un aveugle qui était là, il s'appelait Bartimée. Il était assis sur la route et il a appris que c'était Jésus qui s'apprêtait à partir. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi !» Il criait tellement que les gens lui l'ont réprimandé. On dit, « Mais non, reste tranquille, tu parles trop fort. » Mais cela ne l'a pas empêché de crier davantage. Et quand Jésus a entendu cela, il s'est arrêté, il a dit, « Appelez-le. » Et on est allé l'appeler, et quand il a appris que c'était Jésus qui l'appelait, il a jeté son manteau, il a bondi sur ses pieds, et puis il est allé donc, vers Jésus. Quand il est arrivé donc, là où Jésus était, Jésus lui a dit, mais, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il a dit, « Je veux recouvrer la vue. » Et Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il a recouvré la vue, et il a décidé de suivre Jésus, il l'a suivi, donc aussitôt après avoir recouvert la vie. C'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui qui se trouve dans Marc chapitre 10, versets 46 jusqu'à 53, la foi de Bartimée. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!